Bonjour à tous, vous allez bien? Eh bien écoutez, moi ça va. On se retrouve, donc nous sommes le vendredi 15 mars. L'Holodile sans Odile. Odile, ça fait 2 jours qu'elle est couchée. Voilà. Et donc du coup, ben, elle n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc, mais bon, moi je vous avais dit que je repartais marcher, donc je n'ai pas pris encore mon sac pour Santiago. Mais je suis parti marcher quand même aujourd'hui avec, j'espère, de belles images. Je le souhaite. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, donc vous voyez, mur en pierre et tout. Je suis sur le Causse, donc de Cagnac du Causse, qui porte son nom. Et je viens de passer le portail, comme vous voulez, de le voir, pour rentrer dans la forêt de Brownie. Alors, pas Brownie, c'est pas les. C'est pas les gâteaux qui font des abdos, non. Brownie, voilà, ça s'appelle comme ça. Et je vous raconterai, parce que j'aime les légendes, donc je vous raconterai une petite légende en marchant tout à l'heure. Wally Walou. Donc je fais ce circuit. Après, je prends mon véhicule, je repars vers chez nous, parce que là, je suis à peu près à 20 minutes, pour faire un deuxième circuit. Parce que il faut marcher. Monsieur Pivert, c'est Monsieur Pivert, il fait du bruit, bien entendu, j'espère. Donc oui, parce qu'il faut que je marche, parce que ça fait du bien, et que là, regardez, entendez, à part le Pivert, qui fout son bazar, tout va bien. Je vous dis à tout à l'heure, bisous, vamos lolo dire. Alors, il faut savoir que la légende raconte qu'il y a environ 1200 ans, à peu près, un chevalier de l'armée de Charlemagne, c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Bon, je ne vais pas trop chanter parce qu'après, j'aurais quand même qu'il continue à faire beau sur le deuxième circuit. Donc, qui s'appelle Namphèze. Donc il a choisi de finir sa vie ici dans le Quercy. Ce grand bâtisseur d'église et de monastère décide en fait d'installer comme ermite dans la Brownie. On est bien d'accord, c'est toujours pas les gâteaux au chocolat et les pépites et tout. Hein. Voilà. Et on dit Brogne. Donc c'est moi qui le prononce très mal, comme d'habitude. Je monte un peu le panorama. Et comme il a observé en fait qu'il y avait un grand manque d'eau dans le coin, c'est clair, il n'y a pas de source ni rien du tout de ce côté. Donc en fait, la légende raconte qu'il aurait bâti des bassins comme vous avez vu sur le départ de la vidéo, avec de l'eau de pluie, qui s'appelle le lac de Saint-Namphèze, les lacs de Saint-Namphèze, pour en fait pouvoir donner à boire en fait aux troupeaux. Pas une belle légende ça. Donc voilà, après une belle côte, je descends. À tout à l'heure. Bon, vous avez remarqué le temps quand même. Il est beau pour un vendredi. Bon, on a eu deux jours de grand soleil. Il a fait très chaud même. Aujourd'hui, je m'inquiète un peu parce que je suis parti, il pleuvait. Mais bon. Oui. Ya. Enfin. Du soleil. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle des clèdes. En fait, c'est des portes en bois avec des murs. Enfin, ouais, des murs. C'est plus que des murs. Pour fermer tout simplement les troupeaux pour pas qu'ils s'échappent. Voilà. Sinon, il fait chaud. Hein. J'ai prévu de l'eau, j'ai bien fait. Ah. Mais. J'ai mis le pantalon. Franchement, j'ai hésité ce matin. On m'a fait de.
Là, pas d'un short. Vous vous en foutez, vous êtes assis. Moi, je grimpe. Je vous montre. Ça se verra pas, mais bon, je vous montre. Voilà. À tout à l'heure. Vamos. Donc voilà ce premier petit circuit qui j'espère vous a plu en termes de paysage. Hein. Nous sommes sur le Causse, donc à Cagnac du Causse, pas très loin. Le Causse de Gramma, un peu loin quand même, mais bon. Donc voilà la forêt de la Brogne, puisqu'on dit Brogne, mais m'excusez. Donc il y a des espèces protégées, que ce soit d'oiseaux, de plantes, etc. et tout. Donc il y a pas mal d'endroits où c'est fermé, où on ne peut pas avoir accès. Voilà. Et là, c'est les chemins typiques du Causse avec les murs en pierre. Hein. Donc en principe, dans cette forêt, il y a beaucoup. J'ai vu passer des photos et tout. Beaucoup de plantes et tout, enfin de fleurs, des jonquilles, voilà, chercher, bien m'excuser. C'est mon habitation. Des jonquilles, mais bon, bien sûr, je viens toujours, il n'y a plus rien. Donc voilà, mais c'est pas bien grave, c'est très joli. Par contre, je vous cache pas qu'il fait chaud et que j'ai foif. Voilà. Les premières chaleurs, c'est vite 20 degrés et ça fait un petit peu bizarre. Donc je file, j'ai 20 km pour moi approcher de chez nous et je vous retrouve sur la prochaine. Bise, vamos! Sa chemin. Deuxième rando du jour à Maxou, donc pas loin de chez nous. Et ça démarre bien, il va falloir que je mette les palmes. Magnifique, elle est fleur jaune partout. Mais il y a un peu d'avoine aussi. Voilà. J'ai pas prévu de serviette pour essuyer les pieds. J'ai peut-être pas pris le bon. Hop. Voilà. Donc ça c'est le chemin. Hein. Voilà. On va marcher. On va essayer. Pas facile. Allez, à tout de suite. Mazette, je viens de par là-bas. Et a priori, je vais là-haut. Bon, il m'avait pas dit qu'il fallait pas manger un sandwich kebab avant d'attaquer la rando. Waouh! Je pense que ça va être des oignons.
Ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Alors, après le temps, je vous ai pas dit peut-être qu'on est le vendredi 15 mars, mais vous voyez, tout à l'heure il y avait grand soleil. Là, il y a moins. Pas grave, j'ai les chaussettes anti-mouillement. Allez, vamos solo. Eh, je viens d'en taper une. Pourtant, j'aime les côtes. Elle devait faire 15-20%, c'est pas possible. En très peu de temps, mais bon, je suis en haut. Et voilà. Et voilà. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Au grand marabout du chemin, qui disent, ouais, mais il a que de la gueule, il a jamais fait le chemin. En entier, ni rien. Il a même été foutu de se blesser et tout. Alors, sur Adour, je vous fais des gros bisous. Eh? Et je m'en tape ce que vous dites. Parce que je suis heureux dans ma vie. Et vous, vous n'avez pas l'air d'être heureux dans la vôtre. Petit message publicitaire. Allez, bise, je crois que la pluie arrive. A tout de suite. Vamos. Alors, je suis à la gare de Brouel. Je rigole. C'est monsieur ou cette dame. Beaucoup d'humour. Donc, c'est un tout petit village, place de l'apéro. Tout va bien. Je suis dans le petit village de Brouel. Qui n'est pas un cousin de Patrick Brouel. Non, non. Ça vient du portugais. Qui est une contraction entre Brouette et Trouel. Voilà. C'est pas un joli petit lave. Je vous montre de suite. Bonjour. Oui, on fait beau le bruit. Bon, pendant qu'il y a un avion qui part en Ukraine, non, je rigole. Je suis passé juste à côté d'une petite maison avec ce petit lavoir là, c'est magnifique. Et je continue. Vamos solo. Casse la croûte, il s'en fout de moi. Allez, vraiment. Et coucou, voilà, bah écoutez, mon deuxième circuit, je reviens au point de départ, donc est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura amené de jolies images. Voilà, il a fait un grand ciel bleu ce matin. J'avais 20 km d'écart entre deux circuits et bon, j'ai pris 2-3 averses, mais vous voyez, je suis tout sec.
Voilà, enfin tout sec, je m'entends. Enfin, mon t-shirt n'est plus mouillé, moi je suis pas très sec. Non, non, pas encore, je suis pas encore affûté. Voilà. Donc dans ce petit lieu très poétique, ça sent le printemps, honnêtement, que ça fait du bien. Les oiseaux qui chantent, les petites fleurs jaunes, les fleurs de pissenlit, les violettes. Voilà, et c'est top, voilà. Bon, Odile, mais écoutez, la pauvre, elle est malade, donc j'espère que ça va aller mieux pour elle. Voilà. Nous, on se retrouve, toi et moi, hein, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle, nouveau circuit, pas loin, par là, pas, on verra. Bien sûr, il y aura une rando, voilà. Je serai tout seul de nouveau, puisque Odile, travaille, donc elle part pendant 3-4 jours, donc elle sera pas là vendredi prochain. Donc du coup, je serai tout seul, comme aujourd'hui, vous voyez, ça s'est pas trop mal passé. Bien, là ça m'a fait une bonne coque, là, j'ai bien pris ça dans les dents là, en partant tout à l'heure. À calme. Voilà, ah, j'ai des amis. Oui, ça m'arrive d'avoir des amis. Et donc c'est sur ce petit lieu poétique donc, que je vous laisse et que je vous dis bonne semaine, à vendredi prochain. Donc nous sommes le 15, 15 et 7, 22, nous serons le 22, vendredi 22. Peu importe le temps, j'irai quand même marcher, parce que là maintenant on est passé, il faut passer à la vitesse supérieure. Si toutes mes petites vidéos ne sont pas trop longues, je vous mettrai après, en incrustation, les petites photos que... qui m'ont plu. Voilà. Allez, bye. À bientôt. Merci beaucoup. 311 abonnés. Ça monte toutes les semaines. Donc, c'est cool. C'est super. C'est que ça vous plaît. Enfin, j'espère. Et on vous dit, je vous dis, à vendredi prochain. Vamos lo dire. Ciao.